Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite séance de Pilates. J'espère que vous allez bien. On va démarrer la séance tranquillement. Allez, on est parti, debout. Parfait. On ramène les pieds parallèles dans l'axe des hanches. Étirez bien le dos et relâchez vos épaules. Placez votre bassin en position neutre. Inspirez. Soufflez, engagez la sangle. Pour le dernier, on inspire, on souffle, on engage à 30%, on maintient. Inspirez, levez les bras, soufflez, ramenez. Encore, on inspire, on lève les bras, on souffle, on ramène. Inspirez, levez le bras droit, soufflez, flexion à gauche. Là, on ramène la main gauche à hauteur des hanches, on pousse un petit peu plus le bassin vers la droite. Inspirez, redresse et on souffle, on relâche. Inspirez, levez le bras gauche, soufflez, flexion. On ramène la main et on pousse un petit peu le bassin pour étirer un peu plus le côté. On inspire, on ramène et on souffle, on relâche. Les deux bras, inspirez et soufflez, ramenez. Parfait. Inspirez, levez la tête. Soufflez, enroulez la nuque. Inspirez, levez. Soufflez, enroulez doucement la nuque, haut du dos. Pliez vos jambes. Toute la partie dorsale. On relâche bien les bras. On ramène le poids du corps sur l'avant des pieds. Inspirez. Soufflez, redressez tout doucement à la verticale, vertèbre par vertèbre. Et la nuque en dernier. Encore une fois, inspirez, levez la tête. Soufflez, enroulez doucement. Entre le ventre. On relâche bien les épaules, les bras, le menton vers la gorge. Inspirez, on reste ici, on souffle, on tend la jambe gauche. Sentez l'étirement vers la jambe gauche. Allez, on plie. Inspirez, soufflez, tendez la jambe droite. Relâchez doucement, on plie les jambes, on inspire et on souffle, on redresse tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, tranquillement. Parfait, ramenez les bras devant vous, ici, écartement V, on inspire, on souffle, on twist, on garde le bassin dans l'axe. On inspire, on souffle, on revient. On change de côté, inspirez. Soufflez, twistez. Inspirez, soufflez, revenez. Encore une fois, on inspire, on souffle, on twist. Inspirez, soufflez, revenez. Inspirez, soufflez, twistez. Souffle, on ouvre les deux bras.
lever le bras droit. On inspire, on souffle, on ramène le bras droit vers l'avant, vers la gauche, petit cercle. Inspirez, soufflez, changez, tout doucement. Inspirez, soufflez, changez. Dernier, on inspire et on souffle, on ramène une dernière fois. Et on relâche. Bien, enroulez vos épaules. Changez de sens, tranquillement. Bien, ici on va ramener le poids du corps sur la jambe droite. On va décoller doucement, on ramène le genou gauche. On inspire, on lève les bras, on étire la jambe sur le côté. On souffle, on ramène. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez la jambe sur le côté. On souffle, on ramène. On reste ici, on ne bouge plus, on inspire. On souffle, on twist à gauche. Inspirez, soufflez, revenez. Ok, on relâche doucement et on change. On ramène le poids du corps sur la jambe gauche. On décolle ici, jambe droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez la jambe sur le côté. Soufflez, ramenez. Inspirez, levez les bras sur le côté et tirez sur le vers le ciel, la jambe sur le côté, pardon. On souffle, on ramène. On reste ici, on inspire, on souffle, on twist. Inspirez, soufflez, revenez. Et on relâche. Parfait. On va passer au sol. Reste assis, bien installé sur les petits os des fesses ici, on ramène les mains derrière les cuisses, on étire le dos, j'inspire, la sangle reste engagée, je souffle, ici je rentre le nombril, bascule, j'inspire, je redresse, doucement, encore un petit peu, inspirez, soufflez, bascule. Inspire, redresse. Allez, encore trois comme ça. Soufflez, on bascule. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus bas à chaque fois. Inspire, redresse. Encore deux. Soufflez, bascule. On peut aller chercher le sacrum, l'os plat, en bas des fesses. Inspire, redresse. Dernier, soufflez. On rentre le ventre tout doucement ici, on arrondit le dos. Hop, inspire, redresse. Parfait. On ramène les bras. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre, on bascule doucement. J'inspire ici, sur la pause. Je souffle, je remonte, le dos reste arrondi. Et je redresse enfin en dernier. Allez, encore quatre comme ça. Inspirez. Soufflez. Rentre le ventre, bascule le bassin, doucement, je vais chercher un peu plus bas. J'inspire sur la pause, je souffle, je remonte, tranquillement. Encore deux, inspirez, soufflez. Gardez toujours le dos bien arrondi en bas. Inspirez sur la pause, soufflez, remontez. Dernier, inspirez, soufflez. Bien, on bloque ici, je garde ma sangle engagée, je serre. On reste ici, une respiration ou deux respirations si ça va pour vous. Gardez le dos bien arrondi. Inspirez. Et on souffle, on redresse doucement. Et on relâche. Bien. Si ça a été pour vous, on va essayer ce matin de faire la complète. Ok ? Donc là, je reviens. Bien installé sur les petits os des fesses. N'hésitez pas à enlever la chair en dessous. Toujours ici, genoux, les pieds, écartement des hanches. Hein. J'inspire, j'étire mon dos, j'engage la sangle, je souffle et doucement ici, je rentre le ventre. Je dépose le dos doucement, vertèbre par vertèbre. J'inspire derrière. Hop. Je ramène les bras à hauteur des joues.
Et je souffle, je remonte doucement dans l'axe ici, dos rond. Et enfin, je redresse. Allez, encore 4 comme ça. Inspirez, soufflez. On doucement dépose le dos. J'inspire, j'emmène les bras derrière. Je souffle, je remonte. Vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes pour vous aider si besoin. Hop, et j'étire. Inspirez, soufflez. D'abord, je rentre le ventre, bascule du bassin, je dépose le dos, je retiens ma descente doucement, tout doucement. J'inspire, j'emmène les bras derrière. Les épaules restent relâchées. Je souffle, je remonte. Tranquillement. Dernier, allez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, remontez. Ok, parfait. Allongez-vous sur le sol. Juste posé au sol. On ramène les deux jambes en chaise inversée. Prenez le temps de bien vous installer. Baquez bien le dos dans le sol. Ici, on reste 5 respirations. Gardez cette sangle engagée. La jambe droite est tendue, mais ne touche pas le sol. On appuie toujours ici, les mains dans le sol. On change. Dernier ici, pour la jambe droite pliée. Toujours ici, on presse dans le sol. On change. Et on relâche. Dernière fois, cette fois-ci, on décolle le buste. Ok? Donc, les deux jambes en chaise renversée, je décolle. Je vais ramener la jambe droite vers moi. Jambe gauche tendue, ne touche pas le sol. Je presse. On change. Tac. On change. Tac. Dernier, on change ici, hop, et on relâche, parfait. Allez, on garde la tête posée au sol, on ramène la jambe droite en chaise renversée, inspirez, soufflez, tendez la jambe. Inspire,
ça pour 6. On souffle longtemps. On inspire, on ramène. Aussi en chaise renversée. Toujours ici, je tends ma jambe droite. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. 4 comme ça. Ok. Buste décollé. On rajoute 6. Hop, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Touche la jambe droite qui travaille. On souffle, on tend. J'inspire, je ramène. Allez, encore 3. Votre buste décollé, ça tire au niveau de la nuque. Vous pouvez ramener les mains derrière sans croiser les doigts. On garde juste un espace comme ça entre les mains et coudes ouverts. Ok? Allez, on revient ici. Buste posé au sol. Jambe gauche en chaise renversée. La jambe droite est pieds posés. Pour 6, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Gardez bien le bassin dans l'axe, le dos dans le sol, la sangle reste tonique. Ce petit travail ici d'étirement, d'extension de la jambe, le reste du corps ne bouge pas. Parfait, une fois qu'on a fait 6, on ramène la jambe droite en chaise renversée. Et toujours ici pour 4, je tends ma jambe gauche, j'inspire, je ramène. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. Ok, une fois qu'on a fait 4, buste décollé, je rajoute 6. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. On va refaire le prochain buste décollé. On va ramener. Lorsque la jambe droite est pliée, la main gauche est à l'intérieur du genou et la main droite va chercher la cheville. J'inspire, je souffle, je change. Ma jambe gauche est pliée, ma main droite est à l'intérieur du genou, ma main gauche vers ma cheville. Ok, on part pour ça, on part pour 10 comme ça. Petit travail de coordination avec les mains. Inspirez sur un mouvement, soufflez sur l'autre. Bien.
Et ensuite, on relâche une fois qu'on a fait 10. Allez, on replace les pieds au sol, on rapproche les talons des fesses. Bras relâchés, inspirez, plaquez le dos dans le sol, rétroversion du bassin, on souffle, on relâche. On est parti pour 4 comme ça, j'inspire. Je plaque le dos dans le sol, rétroversion du bassin. Je souffle, je relâche. Gardez bien votre mouvement sur la respiration. Profitez de ce petit mouvement. Prenez votre temps. Parfait. Pour les 3 prochains, inspirez, plaquez le dos dans le sol, soufflez, soulevez vos hanches, pas trop haut pour le premier. J'inspire et je souffle, je dépose doucement, commençant par le haut du dos, milieu du dos et le bassin dernier. Encore inspirez, rentrez le ventre, plaquez le bas du dos dans le sol, rétroversion du bassin. Soufflez, soulevez, appuyez vos talons dans le tapis, soulevez vos hanches, contractez vos fessiers. Inspirez et soufflez, déposez doucement le dos. Les genoux restent bien immobiles. Dernier, inspirez. Soufflez, soulevez, peut-être un peu plus haut pour le dernier. On inspire et on souffle, on dépose doucement. Parfait. Ramenez genoux poitrine, relâchez un petit peu le bas du dos. On va refaire 3 comme ça. Ok? Allez. On replace bien les pieds, on rapproche les talons des fesses comme on peut. Peut-être l'espace d'une main entre le talon et la fesse au sol. D'accord? Et on repart. J'inspire. Je plaque le dos. Je souffle, je soulève. Un petit peu plus haut. J'inspire. Je souffle, je dépose. Encore 2. Inspirez. Soufflez, soulevez doucement. Ramenez bien le pubis vers le ciel. Fessier vers les talons. On inspire. On souffle, on dépose. Dernier, inspirez, plaquez, soufflez, soulevez. Et là, on reste un petit peu ici, 2 respirations. Pensez à bien ouvrir la cage thoracique, contracter vos fessiers, appuyer talons dans le sol. Doucement, je redépose. Parfait. Allez, on revient ici, genou poitrine, on relâche. Ok, pour le prochain de cette série du shoulder bridge, on va ramener une jambe tendue, pied pointé vers le ciel. On va la ramener ensuite, pied flex, la jambe dans le prolongement de la cuisse, ok? Et ensuite, on va ramener, plier, avant de redéposer, ok? On fait ça, jambe droite, jambe gauche, d'accord? On fait le premier ensemble, tranquillement. Je reviens dans la position, je rapproche un petit peu les talons des fesses. La sangle à s'engager, ici j'inspire, je plaque le dos, je souffle, je monte. Parfait. J'inspire, je tends ma jambe vers le ciel. Je souffle, je ramène la jambe dans l'axe ici. J'inspire, je ramène plié. Je souffle, je dépose. Ok? On change de jambe. J'inspire, je tends la jambe vers le ciel. Pied pointé, je souffle. Je ramène la jambe ici dans l'axe.
pieds flex, j'inspire, je souffle. Ensuite, j'inspire, je souffle et je dépose. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? On va y aller tranquillement. On cadre une respiration, un mouvement. Et vous verrez, ça va bien se passer. Allez, on repart. Je rapproche un petit peu les talons. Ma sang reste engagé, mon corps est tonique. Inspirez. Soufflez, soulevez. Ici, j'inspire, je tends ma jambe, pied pointé. Je souffle, je ramène la jambe dans l'axe. J'inspire, je ramène pied, je souffle, je dépose. J'inspire, je tends ma jambe, pied pointé. Je souffle, je ramène, pied flex. J'inspire, je ramène, je souffle, je dépose. J'inspire et je souffle, je dépose. Bien. Relâchez un instant vos jambes au sol. On va refaire ça une dernière fois, tranquillement. Gardez toujours la sangle engagée, hein, les jambes restent toniques. Et calez la respiration sur le mouvement. Ok, ne soyez pas en apnée. Hein. Allez, on revient. Jambes pliées. Inspire, plaque le dos dans le sol. On souffle, on monte en demi-pont. Ok. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel, pied pointé, soufflez, on ramène, pied flex, les deux jambes, les deux cuisses sur la même ligne. J'inspire, je ramène plié, je souffle, je dépose. Inspire, tendez la jambe gauche vers le ciel, souffle, ramène dans l'axe, pied flex. Inspire, je ramène plié, je souffle, je dépose. J'inspire, une dernière fois, je soulève peut-être un peu plus, je souffle. Je dépose en commençant par le haut du dos. Tranquillement. Parfait. On ramène les jambes pliées. On relâche un petit peu. Bien. J'espère que ça a été pour vous. Hop. Ici. Jambes tendues. Asseoir, inspire, on lève les bras vers le ciel, on souffle, on ramène les bras devant et on dépose le dos doucement. Allez, encore deux comme ça, inspirez, soufflez, ramenez les bras derrière, serre, on prend appui sur le sol pour venir s'asseoir, j'inspire, je souffle, je ramène les bras devant et je dépose le dos. Allez, dernier, inspirez, soufflez, cercle, appuie, on vient s'asseoir, j'inspire, je souffle, je dépose, parfait, on relâche un instant. Pour les trois prochains, même chose, sans prendre appui, inspirez. Soufflez, cercle. J'inspire, je viens m'asseoir, je lève les bras vers le ciel. Je souffle, je ramène les bras devant et je dépose doucement le dos, je retiens la descente. Encore deux, inspirez. Soufflez, ramène les bras derrière. Cercle. Inspire. Et souffle, dépose. Dernier, je laisse faire. Prochain, même chose, jambes pliées, vous pouvez prendre appui ou pas, c'est vous qui voyez, bras vers le ciel, j'inspire, souffle.
souffle, certes. Vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes si vous voulez, ou sinon on continue comme ça. J'inspire, je souffle, je dépose le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Encore deux, inspirez, soufflez, certes. On peut prendre, attraper l'arrière des jambes si on veut. J'inspire, je souffle, je dépose. Dernier. Sinon, vous choisissez l'option 1, 2 ou 3, d'accord? Ici, même chose, j'inspire, je souffle, je remets les bras derrière, cercle, et je viens m'asseoir. Je reste en équilibre sur les fesses, ok? J'inspire, je souffle, je dépose, doucement, on contrôle. Allez, encore deux comme ça. Allongé au sol. Cette fois-ci, on a les pieds pointés, d'accord? Toujours écartement pilates. Les bras vers le ciel, on n'a pas les mains face à face. Les mains sont orientées vers l'avant. J'inspire, je commence l'enroulement, je souffle, je continue l'enroulement. Ici, on imagine qu'on a un ballon ici entre posé sur les cuisses. J'arrondis bien le dos doit être en C. On pousse vers l'avant avec les bras, vers l'arrière avec le dos. Je regarde entre les cuisses, les bras restent parallèles au sol. Ok, attention. J'inspire et je souffle et doucement je dépose le dos vertèbre par vertèbre. Ok, comme ça. Allez, on en fait 5 au total. Inspirez. Commencez l'enroulement. Soufflez, on continue l'enroulement. Ici, les épaules restent relâchées. Attention, on ne monte pas les épaules. Hein. Dos en C. Travail de dualité. Je pousse vers l'avant avec les mains. Vers l'arrière avec le dos. Dos rond en C. J'inspire. Je souffle, je dépose. Allez, je laisse faire les trois derniers avec votre respiration, votre rythme. Parallèle au sol. Si je peux, je ramène l'orteil au sol et doucement ici, hop, je retiens ma descente. Ok, pareil pour 5 comme ça.
jambes en chaise inversée, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on bascule vers l'arrière. Soit les jambes parallèles, soit je pose orteil au sol. J'inspire, je souffle, je retiens la descente pour 5. Allez, sur les 3 derniers, chacun à son rythme. Ça va pour vous. Si ça a été, on va faire cet enchaînement. Cette fois-ci, on va faire un combiné, enroulement par le haut et enroulement par le bas. Ok ? Donc, on vient ici. Jambes tendues, pieds pointés, bras vers le ciel. Inspire. Commence l'enroulement. Souffle, continue l'enroulement. Ici, je ramène. J'inspire ici. Toujours le ventre et doucement je dépose le dos au sol, je ramène les mains au sol et tac, on va chercher vers l'arrière et doucement je reviens. Ok, pour ça, bras au ciel, j'inspire, je commence, je souffle, je continue, jambes tendues, pieds pointés, j'inspire, je souffle, je dépose. Inspire et hop, et ensuite je relâche. Parfait, bien. J'espère que ça a été pour vous. Pour le dernier exercice ici, on va aller travailler un petit peu la sangle sur le leg pull prone. On va reprendre le mouvement comme d'habitude hein, sur ce leg pull prone. J'aime bien redémarrer toujours avec la base et puis ensuite on va rajouter une petite variante. Ok, on est en appui toujours par contre cette semaine en appui sur les coudes. Ok, allez, en appui coude, jambes tendues, dessus du pied dans le sol, je repousse bien dans le sol avec les bras. J'engage la sangle, je souffle, je viens en appui pubis et je relâche. Ok, pour ça, allez, encore 3 comme ça, tranquillement, pour préparer le mouvement. Bien, encore 2. Inspirez, rentrez le ventre, appui pubis. Souffle, relâche. On va passer en appui sur les genoux. Inspirez, rentrez le ventre, appui pubis. Souffle, appui genou. Attention à ne pas cambrer. J'inspire en haut, je souffle, je dépose. Ok, pour ça. Encore 2. Inspirez, appui pubis. Souffle, appui genou. On rentre le ventre. Inspire. Relâche. Dernier, inspirez, rentrez le ventre.
ventre, appuie pubis. Souffle, appuie genou. Inspire en haut. Souffle, relâche. Lorsque vous êtes sur cette planche, gardez bien la sangle engagée. Attention à ne pas creuser dans le dos, sinon vous allez risquer de vous faire mal, de vous blesser. Si vous sentez que le corps fatigue, vous arrêtez. Ok ? On ne force pas, on doit sentir travailler, mais sans se faire mal. Bien. Allez, pour les trois prochains, on va prendre appui sur les orteils. Donc ici, bien on appuie les coudes en dessous des épaules. J'inspire, je rentre le ventre. Je souffle, hop, appuie genou. J'inspire, je crochete les pieds. Je souffle, je décolle. On reste une respiration. J'inspire, je souffle, je pose le genou. Et le corps. Pour le deuxième, on va rester deux respirations. Ok tout le monde? Allez, inspirez, soufflez, appuie genou, inspire, croche, souffle, décolle. On pose genou et on relâche. Bien. Pour le troisième, on reste trois respirations. On va faire ça et ensuite on va rajouter notre variante après ça. Ok, donc là vraiment on tient trois respirations tout le monde. Hein. C'est le dernier avant la variante. On est solide. J'inspire, appuie pubis. Souffle, appuie genou. Inspire, croche et le décolle. Allez, on est parti. On gaine le corps, on engage la sangle. Une respire. L'enfant, on relâche un petit peu le bas du dos avant de faire notre variante. Ok. Pour la variante, on va soulever une jambe, écarter, revenir, poser. Et ensuite, pareil le côté. On va soulever l'autre jambe, écarter sur le côté, revenir, poser. Ok tout le monde? Allez, on fait ça. On voit le premier, ce que ça donne. Et puis après, premier c'est toujours un test. On fait un deuxième pour le fun. Et comme on dit jamais 203, et ben on fera un dernier vraiment pour se faire plaisir. Allez, avec moi. On prend le temps de s'installer. Ici. Hop, on est parti. Sans griller les étapes. Tac, on est en planche. Ici, je tends une jambe. J'ouvre sur le côté. Je ramène. Je dépose. Je tends l'autre. J'ouvre sur le côté, ramène, dépose, appuie genou et relâche. Ok ça? Bien, il est facile hein, celui-là. Deuxième. Hop, on décolle une jambe, on ouvre, on revient. Tac, on décolle l'autre, on ouvre, on revient. Hop. Genou, relâche. Bien. Allez, dernier. On engage bien la sangle, le corps est tonique. Attention à ne pas creuser. On est parti.
l'enfant, on restaure un petit peu le dos. Relâchez la sangle. On relâche bien ici les épaules, enroulées vers le sol. On respire tranquillement. Bien. Allez, on va s'étirer un petit peu. Super. J'espère que ça a été pour vous. Marcher, on va aller chercher tranquillement ici, tibia ou cheville. Progressivement, on va descendre, on va aller chercher le plus loin qu'on peut, sans forcer. Étirez bien le bas du dos, relâchez le haut du dos. Essaye de gagner quelques centimètres ou millimètres. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la jambe. La main gauche derrière la fesse gauche. Creux du coude ici et on fait une tension sur la gauche. Les genoux, on relâche bien le pied sur le côté, main au sol et j'enroule doucement. Puis on redresse.
On ramène les mains en dessous. On vient cette fois-ci attraper les orteils. On arrondit le dos. Sur le dos. On va attraper la jambe droite ici, relâcher la jambe gauche au sol. On va garder le genou droit dans la main droite et étirer le bras gauche au sol et ramener le genou vers le sol. Bien les fessiers dans le sol. Hein. On ramène dans l'axe, on attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche, on bascule à gauche et on étire le bras droit, paume de main vers le ciel. Chercher le genou gauche cette fois-ci, on relâche bien la jambe droite. Allez, en ouverture, ici j'attrape mon genou, je ramène vers le ciel. Torsion à droite. Lâche la jambe au sol. On reste ici quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez bien tout le corps. Encore un petit peu allongé si vous voulez pour profiter encore un petit peu des bienfaits sur le corps. Bien, en tout cas on a bien bossé aujourd'hui, je vous fais des bisous et je vous